Voilà. Nous sommes spécialisés en tant que journaliste, en tant qu'auteur et des fois en tant que saltimbanque sur scène, je vais dire, sur la façon dont émargent les cultures alternatives, se propagent, s'écrivent et meurent dans le monde. C'est notre spécialisation, c'est notre regard, notre premier regard. Il y a en 2010, quittons ce qui est de l'ordre de la presse un peu traditionnelle, généraliste, pour laquelle nous travaillons, donc presse écrite, télé, radio, etc. Et nous décidons de monter notre propre support, qui est cette revue qui s'appelle Elle. Nous sommes des gens d'encre, définitivement, puisque nous adorons les livres, nous en fabriquons, et au travers de l'encre aussi, nous abordons depuis une vingtaine d'années toute la thématique autour du tatouage. Voilà. Et une revue qui est née pour particularité, tout de suite, comme une affirmation, comme vraiment une idée de mission, de mettre le tatouage au même niveau que les autres formes d'art et au même niveau que les autres médiums. Donc dans chaque numéro, nous avons présenté non pas des travaux sur peau, mais des travaux d'atelier, c'est-à-dire tout ce qui était pour les tatoueurs, travaux de recherche, peinture, tout ce qui était en fait le côté caché du tatouage, voilà. Et nous affirmons, avec beaucoup d'ampleur et de continuité, que cet art de l'encre, est celui qui sera sans doute un des plus importants, parce que un des plus en mouvement du siècle dans lequel nous vivons. Et est une revue qui sort tous les 3 mois, qui est bilingue, qui est distribuée dans le monde entier, où nous présentons une trentaine d'artistes, entre 20, je vais me faire discuter, 22 et 27 artistes tous les 3 mois de façon internationale. Donc c'est là que sur un numéro on va passer de l'Asie aux États-Unis, repasser un tout petit peu par l'Europe, aller en Afrique, finir en Australie. Donc c'est vraiment une vision en fait planétaire de ce qui se passe et des arts qui nous concernent, qui sont des arts extrêmement narratifs et tout à fait en dehors de la sphère conceptuelle. Voilà. Est une revue aussi qui fonctionne à la main, c'est-à-dire qu'on fabrique beaucoup de choses, aussi bien les typos, donc on est vraiment à la fois aussi dans un atelier de dessin, où il y a énormément d'idées de maquettes en fait, qui sont fabriquées sur place. Il n'y a pas de maquette préétablie dans cette revue. La revue se met au service de l'artiste, qu'elle accepte et qu'elle reçoit dans ses pages, voilà. Donc il y a un soin extrêmement fort qui est apporté à toutes les pérégrinations, tous les sujets qu'on va aborder nous dans cette revue, voilà. Et let's go. Pour faire le pont en fait avec le tatouage, comme vient d'expliquer Julien, on est depuis qu'on travaille en fait, on est très impliqué, on prend très très au sérieux l'idée d'expliquer aux autres l'importance de la propagation des marges, l'importance en fait de leur état d'esprit et le fait que toutes ces micro-cultures sont des cultures extrêmement non seulement intéressantes bien sûr, mais majeures en fait dans la marche du monde. Évidemment, le tatouage en fait partie depuis très longtemps. Et comment le tatouage en fait est arrivé au musée du Quai Branly? On va profiter un peu d'ici pour vous expliquer ça, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui nous demandent cette histoire-là et qui sont ou surpris ou qui sont au spectacle de ça et qui se posent cette question.
Donc nous, en fait, le tatouage, évidemment, on l'explore, on va dire, depuis qu'on est adolescent. Donc c'est une histoire, en fait, qui nous est personnellement tout à fait passionnante. Et puis plus on est rentré dedans, fort de nos capacités, on va dire, professionnelles, on est vraiment rentré dans un réseau, d'abord de gens, de personnalités tout à fait flamboyantes. Et ensuite, on a peu à peu ouvert les yeux sur ce qu'était réellement le tatouage, c'est-à-dire toute l'histoire sur laquelle il s'appuyait, qui n'est pas une histoire forcément uniquement ethnologique ou uniquement anthropologique, mais qui est fort de ses racines historiques, une histoire artistique absolument formidable. Et le musée du Quai Branly avait très envie de faire forcément une exposition sur ce sujet-là, qui est un sujet anthropologique, ethnologique, mais qui ne savait pas trop comment le prendre, puisqu'on est, le musée observait, comme vous l'observez depuis quelques années, et comme nous, on l'observe depuis quelques années, le sujet tatouage est de plus en plus visible, de façon tout à fait claire. L'opacité, on a le sentiment, en fait, quand on ne connaît pas le milieu, quand on ne connaît pas le sujet, on a le sentiment, en fait, que l'opacité qui avait enveloppé, qui l'avait enveloppé depuis des siècles, tout d'un coup s'envolait comme ça, à l'aune d'Internet, à l'aune de la publicité qui l'instrumentalise, à l'aune de la télévision qui prend tout et n'importe quoi pour vendre tout et n'importe quoi, à l'aune du cinéma qui véhicule des icônes, à l'aune de la musique qui véhicule aussi ces icônes, enfin voilà. Donc il y avait une espèce de curiosité comme ça populaire qui était tout à fait piquée, et ceci depuis quelques années. Forcément, le musée était très au spectacle de ça. Et nous, on a accepté, en fait, d'aller installer notre projet, puisque ce projet existait déjà depuis longtemps dans nos tiroirs. Donc on a accepté, en fait, d'aller installer cette exposition au musée du Quai Branly, d'abord parce que c'est le Quai Branly et que c'est un musée absolument magnifique, et puis ensuite parce qu'on était, vraiment, nous, encore une fois, forts de nos connaissances vis-à-vis des marges. On était tout à fait lucide sur la période très particulière que vit le tatouage, en fait, en ce moment. On est dans cette espèce de zone très fragile que traversent toujours les marges à un moment donné, en fait, de leur développement, qui est définie par une relation de porosité entre tout ce qui est extérieur à l'état d'esprit de la marge et qui peut pénétrer la marge, alors qu'avant elle est tout à fait défendue, elle se défend elle-même, puisqu'elle est obscure, donc on ne peut pas la pénétrer. À partir du moment où l'extérieur commence à pousser et à rentrer, donc cette porosité fait que tout d'un coup, des gens extérieurs à l'état d'esprit arrivent et peuvent dénaturer ce qui fait le cœur d'une culture de marge, ce qui fait sa flamboyance, ce qui fait sa valeur, ce qui fait ce qui la fonde, en fait, réellement. Donc nous, on a décidé d'aller au Quai Branly pour poser une pierre face au grand public et dire au grand public: voilà, le tatouage est formidable, c'est un véritable objet de curiosité, c'est vrai, on ne peut pas aller contre. C'est une curiosité tout à fait légitime, mais le tatouage est un thème extrêmement sérieux, basé sur des racines extrêmement solides et qui ne sont pas que anthropologiques ou ethnologiques. Voilà, ça c'était notre implication, en fait, dans l'exposition, très importante pour nous, parce que ça n'est pas l'exposition pour nous, le fait d'avoir installé Tatoueur Tatoué là-bas n'est pas un geste uniquement professionnel. Voilà, et de plaisir, forcément. C'est vraiment un geste d'implication, on est vraiment rentré dans l'idée de défendre un territoire qui nous est très attaché. Voilà. Ensuite, il était très important, en fait, sinon on aurait dit non au musée, il était très important dans cette logique d'impliquer toute l'international du tatouage. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, et c'est absolument magnifique d'être lucide, en fait, là-dessus, c'est qu'on est contemporain de très très grands maîtres tatoueurs. C'est-à-dire que
à côté de chez nous, aujourd'hui la Terre est toute petite, hein. on la traverse extrêmement facilement, mais même à l'autre bout de la Terre, finalement on peut prendre l'avion et aller se faire tatouer par un maître tatoueur dont on se souviendra en fait du travail 100, 200, 300 ans plus tard. C'est formidable. Donc c'est ça en fait qu'on a voulu raconter à l'exposition. Donc la démonstration en fait de l'exposition, l'idée de cette encre qui coule sous la peau, pour reprendre le thème de ce matin. Le tatouage est-il un art ? Nous, évidemment, on a la réponse, on essaye de le démontrer à l'exposition, ou en tout cas, on essaye de poser les premières pierres qui permettront à tout le monde de commencer à réfléchir sur ce sujet de cette façon-là, c'est-à-dire avec cet angle-là. Ça, c'est la spécificité de l'exposition. Parce que c'était impossible de travailler sans l'International du tatouage, évidemment, on a travaillé main dans la main avec eux. Et ce qui est extrêmement important à faire passer par rapport à cette exposition, c'est qu'en fait, au vernissage, beaucoup se sont déplacés du monde entier pour venir voir et surtout pour venir vérifier ce qu'ils avaient mis entre nos mains. Et l'exposition a été adouvée par l'International. Donc, il est très important, en fait, si vous vous intéressez au sujet, d'aller voir cette exposition en ayant conscience que c'est la première, en fait, du genre. Il y en a une qui a été faite de cette façon-là, qui date des années 1968, si je me souviens bien, à New York, qui a été fondée par 4 tatoueurs, et c'était un tout petit lieu. Mais par contre, l'exposition était vraiment habitée par la même volonté, la même impulsion, le même état d'esprit. Voilà. Donc on est très fiers, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce que peut écrire la presse, de tout ce que peuvent penser les gens. Nous sommes très fiers d'avoir réussi à installer ça, voilà, au musée du Quai Branly, ce qui est surtout très très peu évident en fait. Voilà. Donc avec cette exposition, évidemment, on a fait un catalogue. On a dirigé un catalogue où on a imposé l'idée de la voix des tatoueurs dans un catalogue de musée national. Donc vous avez des autodidactes purs et durs qui ont une connaissance de terrain et qui ont vraiment une intelligence formidable, qui témoignent. Donc vous avez l'importance en fait par continent, vous avez les grands tatoueurs en fait dans ce catalogue. Et malheureusement, comme nous on adore faire des livres et on sait très bien que on est des gens bavards aussi à l'écrit, et on n'a jamais assez de pages. Et donc on a fait ce catalogue pour qu'il existe et qu'il accompagne réellement bien et de façon logique et légitime cette exposition. Mais on a eu besoin, on avait un désir d'autres livres, on avait un autre geste, il fallait qu'on fasse un autre livre, et donc on a fait Et Tatou, qui lui explique en fait, qui recentre sur tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire qui recentre complètement cette idée que le tatouage est un... Alors le tatouage est un art, le tatouage est un art dynamique, le tatouage, voilà, mais qui explique, qui donne tous les mécanismes de façon concentrée. Vous avez l'essence de ce pourquoi le tatouage non seulement peut être regardé aujourd'hui comme un art, mais comment finalement il peut intégrer de façon totalement légitime ce qu'on peut appeler le grand fil de l'histoire de l'art, comprenant tous les mécanismes, en fait il obéit à tous les mécanismes qui sont familiers à tous les autres mouvements de peinture, mouvements de dessin, mouvements de sculpture, les courants de pensée aussi qui ont traversé l'histoire de l'art. L'encre, le tatouage en particulier, est un des éléments qui relie depuis l'aube de l'humanité tous les hommes et femmes sur ce globe. Il n'y a pas un continent, un seul, qui ait échappé au tatouage. Après, il y a différentes façons de le faire. Mais le fait de mettre de l'encre ou une couleur X ou Y sur sa peau est un dénominateur commun de toute l'humanité.
il était extrêmement important pour nous, en fait, de poser cette base et de montrer, en fait, que c'est un trésor permanent, culturel, cultuel aussi, des fois, de cette humanité. Aujourd'hui, on vit dans les médias en particulier, vous avez l'impression de vivre une explosion du tatouage, de vivre quelque chose qui est vraiment très très nouveau, ça ne va pas du tout. Il y a 150 ans, il faut vous imaginer que l'attachement, la curiosité que les gens pouvaient avoir autour du tatouage est exactement la même. Dans le Vétatou, en fait, avec Zoé qui est là, on a travaillé sur une revue de presse internationale qui part de 1830, tout début du 19e, jusqu'à 1940. Et on s'aperçoit au travers de cette revue de presse que les personnages, les tatoueurs, les tatoués, les événements qui sont liés au tatouage, et ce sur toute la planète, ont été un sujet de presse extrêmement important. Parce que il y a eu vraiment une identification, un besoin de liberté, un besoin de s'accaparer son corps en dehors, en fait, de la société telle qu'elle le présentait. On présente aussi à Branly des peaux humaines hein, du 19e, où on s'aperçoit que ce médium rentre de façon impressionnante dans la vie quotidienne des gens. Et déjà se pose la question de savoir si c'est un art ou pas. Est-ce qu'il va remplacer la gravure? Ce qui différencie en fait le travail sur le corps d'un travail sur un médium type toile ou sculpture, c'est la vie éphémère du tatouage, c'est la vie éphémère de l'œuvre. Elle disparaît avec celui qui la porte. Donc la mémoire en fait de ce geste artistique, de ce geste c'est une fusion, hein. Quand ça se passe bien, c'est vraiment une fusion avec la main de quelqu'un d'autre sur votre peau, et avec l'univers qui va intégrer, qui va calquer sur votre peau. Donc cette fusion a toujours été un débat passionnel, dont tout le monde s'est emparé, quelles que soient les époques. On a vu l'apparition, par exemple, de grands tatoués à cette époque-là, c'est-à-dire que Barnum a récupéré dans X pays du monde des gens qui ont créé un métier, en fait, celui du grand tatoué, c'est-à-dire de l'exhibition, en fait, de leur tatouage. Donc, vous en avez des très très connus, Constantinus, Cyrano d'Oard, etc. Mais il faut vous imaginer que vous avez une foule de gens dont c'était un moyen d'échapper à la misère. Et parmi les grands tatoués qui sont répertoriés aujourd'hui, dont on a des images, on a aussi la marque de grands tatoueurs, hein. C'est-à-dire de gens qui ont commencé à travailler sur les corps, pas de façon de décalcomanie ou de choses très éparses sur le corps, mais qui ont commencé à envisager le corps dans son ensemble, comme le font les Japonais pour les Rizumi, ou comme le faisaient certaines sociétés tribales. Le tatouage, à ce moment-là, n'est pas seulement un espace de curiosité, c'est aussi un espace de réflexion. Et on commence vraiment à voir émerger, en fait, cette idée de l'encre durable, c'est-à-dire de tout ce qu'on va faire dans ce qu'on va appeler le fine art d'une manière générale, et de tout ce qui va être de l'ordre de l'éphémère. Donc on va trouver des nouvelles formes aussi d'encre par rapport à la façon dont on va pouvoir tatouer, on va trouver de nouvelles formes de piquage avec l'avancée de la machine électrique, par exemple, pour tatouer, qui va complètement révolutionner. Donc on va rentrer dans un monde où le médium, les outils, c'est-à-dire l'équivalent des pinceaux, aussi va complètement bouleverser une façon de tatouer, va changer le rapport à la douleur, le temps passé sur une œuvre, et va permettre à des dessinateurs extrêmement doués d'envahir déjà le monde du tatouage et de proposer à l'intérieur du monde du tatouage une révolution graphique qui va être très différente suivant les pays où on se trouve, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même école en Angleterre, en France, aux États-Unis. On est dans des mondes où les médiums se répondent entre eux, mais de façon cachée. C'est-à-dire que toute la difficulté d'une exposition comme celle qui a été montrée au Cap Branly et qu'on a montée, c'est que le monde du tatouage n'avait pas envie de parler à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de c'est un monde secret.
qui a complètement explosé avec la bulle Internet, mais qui vivait très très bien tout seul. Donc toute l'histoire du tatouage, en fait, ne s'est transmise, la vraie histoire du tatouage, s'est transmise de façon orale, de personne à personne, de cœur à cœur, de tatoueur à tatoué et de tatoueur à apprenti. Et donc la façon dont les gens ont commencé à travailler sur le tatouage, malheureusement, a complètement mis de côté cet élément extrêmement important, en fait, de sa propre histoire. C'est-à-dire que le tatouage, c'est une histoire de tatoueur et de tatoué, d'où le nom de cette exposition, qui est aussi un hommage que nous rendons, en fait, à cette communauté. Pour ce qui est de cette revue de presse, c'est vraiment étonnant de voir comment dans chaque pays, en fait, on va commencer à avoir un point de vue sur le tatouage. Mais la revue de presse, en fait, c'est un instantané comme ça, une vision du monde. Dans l'histoire même du tatouage, puisqu'il fallait donner les clés de cette histoire et de cette culture, on a envisagé quelque chose qu'on n'a pas pu faire de façon vraiment complète dans l'exposition, c'est-à-dire une timeline. C'est-à-dire quelque chose qui vous permet de savoir en 1830, qu'est-ce qui se passe au Japon, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en France, où en est l'histoire du tatouage de façon géographique et de façon artistique dans chaque pays du monde sur une période de quasiment 200 ans. Ça montre, cette timeline nous montre vraiment la force, l'importance, le fait que le tatouage résiste aussi pour des raisons politiques, religieuses, à toutes les interdictions qui vont être liées à cet art, qui va beaucoup souffrir aussi de ça dans certaines régions du monde. Et cet art, en fait, avance de façon très très humaine, c'est-à-dire de rencontre de personne à personne. Donc ce qui nous lie au départ en tant qu'humanité est aussi quelque chose qui se développe dans la façon dont le tatouage va se fabriquer de personne à personne. C'est-à-dire, pour reprendre juste les encres, suivant le pays où vous êtes, vous n'allez pas utiliser les mêmes sources, les mêmes matières premières pour faire des encres. Et donc il va y avoir des échanges, souvent épistolaires, entre tatoueurs, et ça pendant quasiment un siècle, où le savoir de l'encre va se transmettre de personne à personne, de technique à technique, de tatoueurs, des fois à tatouer, qui eux-mêmes vont voyager et vont répercuter ce savoir dans le monde entier. C'est un monde qui vivait en vase clos et qui, à un moment, a explosé à la fin du 20e, d'une façon vraiment incroyable et très très rapide. Donc ce livre, en fait, remet les pendules à l'heure, on va dire. Et la dernière partie du livre, c'est celle qui nous fait courir. C'est la façon dont ce médium, cet acte, ce geste, ce signe, devient un acte artistique. Donc de façon littérale, en fait, le terme tatouage veut dire insérer de l'encre sous la peau. Donc on est vraiment sur une pratique extrêmement spécifique. Et comme vient de l'expliquer Julien, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, la première pierre par rapport au sujet était d'expliquer réellement aux gens que le tatouage n'est pas qu'un sujet très léger, esthétique, lié à l'air du temps, lié à la mode, captif de l'air du temps et de la mode, mais demande de véritables connaissances pour pouvoir réellement en parler et bien le considérer, en fait. En tout cas, le considérer de façon assez correcte, quoi. Donc ça a été la volonté qu'on a eue et qu'on a toujours, puisque l'exposition est encore là jusqu'en octobre 2015. Donc il y a cette exposition, il y a le catalogue, il y a ce livre. Donc ça, c'est l'histoire. C'est ce qu'il faut absolument savoir pour éviter les conversations de comptoir. Voilà. Donc après, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous aimez raconter et à combien de verres ça verse dans la conversation de comptoir. Mais quand on essaye d'avoir un bout de fond, en fait, l'idée de cette exposition, elle est là pour ça. Après,
C'est le dernier chapitre de ce livre, et c'est maintenant pour nous, qui sommes spécialistes en fait de ce sujet, le cœur réel aujourd'hui du débat, qui ne concerne aujourd'hui que les spécialistes, mais je vous engage tous à tenter maintenant d'ouvrir et d'aller à cet endroit-là. C'est ce que le tatouage en fait maintenant, aujourd'hui, subit, et la façon dont son statut est en train d'évoluer, d'être modifié. Donc il va y avoir, il y a plusieurs maintenant, aujourd'hui, à l'aune de tout ça, il y a plusieurs catégories, réellement, de tatoueurs. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes là, vous êtes parisien, peut-être. Vous vous apercevez, si vous êtes parisien, vous connaissez votre ville. Vous voyez très bien qu'il y a 10 ans, on avait 3 tatoueurs dans la ville. Aujourd'hui, un tatoueur ouvre comme on ouvre un coiffeur. Donc ça pose question. Voilà. Après, entre-temps, il y a eu quand même le SNAT, donc le syndicat des tatoueurs, cofondé par Tintin, le tatoueur français. Donc heureusement que le SNAT a été là, puisque eux ont établi un lien entre le ministère de la Santé et la profession, ceci pour garder l'intégrité aussi de la pratique. Donc le SNAT est très important pour ça, mais arrivent des gens maintenant qui sont inscrits au SNAT et qui ont une pratique qui peut-être s'éloigne aussi de l'histoire telle qu'elle a été écrite. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, les questions réellement qu'on pose et ce en quoi on a envie de faire avancer le débat, c'est qu'est-ce que le tatouage réellement aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se fait tatouer? C'est pas le motif qui compte, c'est par qui on se fait tatouer. Et on a coutume aujourd'hui de dire, et c'est là-dedans, dans le livre, on termine en fait là-dessus, à l'aune de témoignages de grands acteurs, encore vivant du tatouage. En fait, il y a 2 façons de se faire tatouer aujourd'hui. Il y a l'acte d'acheter un tatouage et il y a l'acte d'aller se faire tatouer. Et dans l'état d'esprit du tatouage, dans ce qu'il a toujours installé, dans ce qu'il essaye de défendre, de ses valeurs humaines et de la circularité absolument indispensable entre le demandeur et le tatoueur, toute cette relation humaine qui fonde le tatouage, toute cette relation humaine qui fait que la pièce qui va être tatouée devient une véritable œuvre unique, tout ça est en danger. Pourquoi c'est en danger? Comment on peut réussir à perpétuer encore ça? Ou comment est-ce que le geste devient un autre geste? Le tatouage est un art. Là où il y a du tatouage aujourd'hui, il n'y a pas forcément art. Là où il y a tatouage aujourd'hui, il y a technique. Quelquefois, il n'y a même pas technique. Donc je vous engage tous, puisque là on est vraiment dans une période où le tatouage est très très regardé. Allez-y, c'est magnifique, lisez, renseignez-vous. C'est vraiment un sujet, un puits sans fond, si on peut en tomber profondément amoureux. Mais par contre, pensez, continuez à penser dessus, pensez ailleurs. Quand vous avez envie, quand vous achetez un tableau, vous avez l'idée d'aller acheter un tableau qui est signé de n'importe quel artiste, l'artiste qui vous touche, l'artiste qui vous plaît. Donc vous allez acheter ce tableau, ou alors vous allez chez Ikea et vous achetez une reproduction mal encadrée de cet artiste-là. Le tatouage, c'est la même chose. Voilà. Donc il faut vous imaginer que quand on aime un artiste dans le tatouage, on prend l'avion, on prend le train, on va le voir. L'idée de se faire tatouer, c'est aussi l'idée d'emporter une expérience de vie, d'emporter une rencontre, d'emporter un échange d'idées qui fait que votre vie est beaucoup plus riche après, intellectuellement, de façon intime. Il se passe des choses extraordinaires. Quand on vit en fait le tatouage comme ça, le tatouage n'est pas que l'idée de porter quelque chose de beau, mais porter quelque chose de beau, porter une belle paire de chaussures ou une belle robe, un beau bijou. Le tatouage est peut-être différent dans ce sens-là. Voilà. Je pense que dans quelques années, vous pourrez vous faire tatouer et vous le faire enlever.
Je pense que dans quelques très très facilement, je pense que dans quelques années, vous pourrez vous faire tatouer et décider quand on peut le voir ou quand on peut ne pas le voir, c'est-à-dire que l'encre apparaisse et disparaisse. Je pense que dans quelques années, on pourra porter un tatouage et le transformer à volonté sans son tatoueur. Je pense qu'on est là à une période tout à fait charnière et clé, où il est très important de regarder dans le rétroviseur et de savoir où sont les véritables valeurs de cette culture réelle, de cette culture de marge, et où et à quel moment elle devient une culture réellement populaire, voire industrialisée. Donc nous avons fait en fait cette exposition, non pas pour muséaliser le sujet, non pas pour dire « regardez les tatoueurs, ce sont des gens magnifiques, ah là là, quels artistes ». On est très 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 loin de ce discours-là. Je vous dis ça aussi parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de questions, on a rencontré beaucoup de gens qui étaient dans cette... Dans ces convictions-là, en fait, qui résumaient notre geste, notre motivation à cela. On est très, 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 très loin, en fait, hein, de cela. Et j'espère que la prochaine exposition, le prochain livre qu'on fera sur le tatouage, développera encore quelque chose de nouveau par rapport à ça. Voilà. Donc, on est. Le musée du Quai Branly, ce livre-là, sont. On va dire le tout début, les toutes petites parcelles de début de connaissance qu'il faut avoir sur le tatouage. Et puis après, tout reste ouvert. Juste pour finir, si vous avez l'occasion d'y aller ou si vous y êtes déjà allé, pour comprendre jusqu'où on est capable d'aller, nous, comme ça va être plus clair, il fallait pour cette exposition, en fait, montrer le geste. Donc on a travaillé avec un studio de chimie pendant 6 mois pour créer l'équivalent d'une peau sur laquelle, en matière synthétique, sur laquelle on pourrait être tatoué. Cette peau devait pouvoir être tatouée à la fois par des instruments traditionnels, peigne, dents de cochon, dents de requin, corail, ce qu'on veut, et l'outil électrique du tatouage. Donc on a fabriquer en fait cette peau, on l'a multipliée sur ces différents bus, différentes parties de corps, qu'on a envoyé au monde entier, puisqu'on envoyait à 11 mètres dans le monde qui avait ce support inerte. Pour eux, c'est un grand changement, ça ne dit pas aïe, ouille, ça ne fait pas la tête. C'est vraiment une révolution, même pour eux, en fait, de travailler sur ce type de support. Et à ce moment-là, c'est pour vous montrer vraiment la circularité en fait des choses, hein. À ce moment-là, les tatoueurs ont commencé à s'appeler. Et à se dire, ah, cette encre-là, j'y arrive pas, ah, j'aimerais bien, je déchire un peu la peau, comment, etc., etc. Et donc, nous, tout notre travail, c'était d'avoir pu créer une peau où ils avaient au moins la sensation, en fait, la façon dont vous enfoncez le doigt, là, juste avant de sentir vos os, ou un muscle, pour ceux qui en ont, etc. Et donc, ce travail, en fait, a permis aussi à des gens qui ne se parlaient plus, parce qu'ils n'avaient plus le temps, parce qu'ils étaient trop occupés chez eux, qu'ils ne voyageaient plus, qu'on arrête, de reprendre un dialogue et de refaire avancer les choses. Et sur cette exposition, vous avez une des premières œuvres comme ça, qui est faite avec de l'encre phosphorescente. Voilà, donc on peut passer la nuit à la lumière, passer un truc. Hein. C'est fini, donc merci.